l'autre, bonsoir encore pour nous, toute Capgade Télévision Nationale d'Haïti. Nous sommes toujours dans le parc Canne à Sucre pour 12e édition artisanat en fait, qui en deuxième jour, qui c'est la dernière journée en tout. Côté l'atelier artisan qui expose Zevio, pour même qui a envie de garder belle bagarre, mais tout vient acheter. Donc nous sous place, je nous te dis là, nous allons faire le tour pour nous discuter avec quelques artisans pour nous raconter qui gens travaillent, qui est fort au fait pour faire travail et puis qui impact ça gagne sur la société, sur la cause économique, cause culturelle. Bah pour moi avec la belle Saïdna. Bonsoir Saïdna. Bonsoir Stan. Et si vous avez remarqué, dans la deuxième journée, ça, dimanche, il y a un jour qui toujours fait affluence, il y a un pile jeune qui fait déplacement pour venir à l'artisanat en fait. Tout à fait, nous bien remarqué parce que journée, dimanche, c'est une journée de la famille. Côté nous, un pile jeune et en uniforme et en famille, ils viennent dans la deuxième journée. Oui, c'est une deuxième journée qui espérer en pile gros bagaille parce que j'en ai toujours dit dans l'artisanat en fait. 1er juin, toujours bien moun vraiment, mais pas toujours en influence. Mais jeudi, c'est dimanche. Il est encore bonheur, il est beaucoup 2 heures. Donc nous espérons bien en pile moun qui a fait déplacement. Nous avons stand Teach Haïti qui gagne en pile zèv qui que nous pas gagne chance garder là en pile zèv gagne valise gagne bijoux pour fille nous pas garder gagne sapin et qui choye pour décorer sapin n'a pas garder et après nous pas gagne possibilité pour nous discuter avec responsable stand ça a remarqué bijoux est fait à plusieurs types de matières soit avec corne, soit avec fer, yo fait mieux même fait décoration pour taper Noël et Noël qui va arriver dans peu de temps. Teach Haïti nous gain notre tête li représentant les jodi a Mike nous va recevoir Mike. Bonsoir Mike. Bonsoir. Télévision Nationale d'Haïti dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Comment est la deuxième journée dans le festival? Bon, c'est la première fois que je participe, donc je n'ai pas vraiment gagné une idée comment tu as bien pour me dire la vérité. Mais jusqu'à présent, ça va. Pour même ça qui est plus important, c'est que les banques ont une plateforme pour me capable parler un petit peu de programme qui se Teach Haïti, qui supporte des jeunes pour aller à l'école. C'est très intéressant. Qui produit nous faire et comment nous aider les jeunes à eux? Bon, notre Teach Haïti, c'est un programme de parrainage tout d'abord. Donc, élèves nous, yon nan bagay que nous faisons pour nous capables de supporter yo, nous aider yo avec éducation yo. Nous avons une très bonne éducation dans l'école là, mais parents yo tout, yo vraiment fait bénévolat. Parents yo les week-ends, yo fait collier, yo fait bijoux. Donc, à l'aide de ça, ça permet nous pour nous capables de recueillir des fonds, pour nous capables de continuer à aider plus de monde dans le programme. Combien de personnes nous avons dans le programme? Teach Haïti gagne à peu près 450 personnes actuellement. Nous avons deux écoles, nous avons l'école à Saint-Michel de la Talaye et puis nous avons l'école ici à Port-au-Prince. Nous n'avons pas seulement gagné un bijou ou une valise, tout. À qui matière nous utilisons pour faire et bijoux et valises? Moi-même, personnellement, je travaille avec plusieurs artisans. Donc, plusieurs artisans parce que je crois dans le produit local là et je crois dans collaborer avec plusieurs artisans. Donc, c'est une façon moi-même pour me capable de supporter YouTube. Par exemple, nous avons un produit qui fait avec corn bœuf et zo que nous personnalisons, nous faisons produit avec métal découpé que nous personnalisons et tout. Donc, nous faisons produit avec papier céréales, magazine, papier. Donc, nous remets recyclage. Teach Haïti gagne combien de temps les sous pied? Teach Haïti a fait un travail extraordinaire en payant depuis en 2007. Et nous gagnons des élèves qui déjà gradués, qui dans l'université et dans deux écoles ça. Oui en effet, pas l'école spécialement parce que les projets ont fait commencer nous déconne bâtir mon bourse d'études. Yo al dans différentes écoles. Donc parmi élèves qui étaient reçus par bourse d'études, nous gagnons pile qui gradué, nous gagnons qui travaille dans Teach Haïti actuellement en tant que comptable, en tant que gestion et infirmière aussi, nous gagnons qui travaille actuellement et actuellement nous gagnons à peu près une vingtaine d'élèves à l'université.
Pour qui ça nous t'est senti pour nous enseigner élèves ça pour assurer la relève? Bon, y a une bagaille moi quoi là-dedans, c'est éducation. Et pas seulement éducation, mais plus que ça dans l'école. Là, nous avons des élèves qui ont tas d'opportunités. Tout d'abord, nous commençons à enseigner l'anglais depuis la préscolaire, parce que nous connaissons plus la langue que tout le monde parle. Il y a plus de chances pour être capable de progresser dans la société. Deuxièmement, nous faisons des cours spéciaux pour les gens, côté que vous apprenez, utiliser mieux pour être capable de faire des produits, des valises, des colliers, des sacs. Pour ça, là, au fini, yo capable de travailler, mais quand même avec ça, au fait, yo capable en mesure pour yo capable utiliser et faire quoi pour yo aider tête pa yo. Merci beaucoup. Bon, produit ça, c'est une mademoiselle qui est Esther qui fait. Au contraire, moi j'ai joué Esther dans une fois. Moi elle te fait bel produit ça yo et m'étais vraiment attiré de ça le te fait hein. Moi t'ai rapproché pour m'étais capable comment m'étais capable travailler de conscience ensemble avec lui. Actuellement Esther a enseigné couture dans Teach Haiti côté que l'a apprendre élève nous yo comment yo capable faire genre de produit ça yo. Wow, c'est très bien. Et Esther intègre groupe là et l'a assuré relève là demain. Exactement, exactement. C'est toujours la relève parce que nous besoin yon jeunesse qui très soucieux de futur, de pays. Donc nous croyons dans ça, nous croyons dans au travail pour faire créer des choses pour faire pour pas perdre du temps tout le temps dans téléphone parce que c'est ça nous fait seulement kounya. Nous dans téléphone, nous pas vraiment prendre sans nous pour nous capable vraiment apprendre yon métier. Donc dans l'école là, nous vraiment fait tout ça nous capable faire pour élèves nous yo capable. Donc en quelque sorte nous gagne produit pour garçon mais c'est comme un cadeau, vous prêchez pour faire un cadeau. Amis téléspectateurs, nous vous remercions. Haïti, nous vous remercions. Teach Haiti. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, nous tenons Teach Haiti. Nous vous présentons quelques accessoires que Atelier Safet qui est notre première participation libre pour voilà notre 12e édition Artisanat en fête. Nous continuons à poursuivre, nous continuons à regarder pile l'autre bagaille que vous faites. Nous parlons dans l'autre. Atelier, nous dit Teach Haiti merci. Nous continuons à suivre sur télévision nationale d'Haïti quelques artisans qui installent, qui font produire là. Dortelis Family. Voilà, nous toujours en direct sur télévision nationale d'Haïti, dans le parc Canne à Sucre, côté nous vivons l'ambiance qui gagne dans le parc là pour 12e édition Artisanat en fait. Là, nous sommes parlé avec Teach Haiti et là nous avec Jean-Marie Soulouk et un atelier qui fait faire découper et nous avec nos amis. Et bonsoir Radio Nationale et Télévision Nationale, salut. Bonsoir, avant m'ap salye tout le monde captain dem tout le monde capote et m'ap salye télévision nationale d'Haïti. Non pas c'est Solo Kevins exactement pas pour virer même représenter. Combien d'années vous gagnez pour participer dans Artisanat en fait? Moi j'ai environ 4 ans depuis m'ap participer dans Artisanat en fait. Et parlez nous qui j'ai expérience là et pendant 4 ans et effectivement et jodi a. Bon expérience au prix à mes y a élevé parce que on ka dit c'est parce que nous fait succès là dedans qui fait nous toujours là n'a pas quand même. Normalement combien de temps on monde ka prend pour le faire un œuvre avec faire découper? Bon ça va dépendre de qui qualité œuvre li a parce que on ka faire toute dimension là dedans. Et dis-nous non qui j'en ça est pour depuis hier jusqu'à aujourd'hui est-ce que mon yo visiter stand là, est-ce que mon yo acheté, est-ce que édition ça sont bon édition lié pour? Oui, nous avons dit son bon édition parce que mon visite gain qui dit y a tourné nous juste attendre. Et qui j'en prioyé bon ici, est-ce que prioyé abordable
et pour mon cas procurer deux œuvres. Oui, prix est très abordable parce que c'est par rapport à prix qui pour faire mon acheter. Nous essayons de gérer ça pour mon quand même. Et est-ce que nous avons un côté nous stable et si il y a des gens qui te viennent là avec baguette en procurer de œuvres, qui j'en mon yo qu'a fait pour joindre nous? Non, exactement quoi des bouquets noyés, village artistique de noyés. Nous sommes dans un village noir. Oui. Ah ben voilà, amis, cap garder nous. Donc nous toujours là et Jean nous te dit là, nous va le faire tout à chaque fois pour nous ca rencontrer artisans yo pour ca connait qui travaille à faire, pour ca connait qui effort yo faire pour faire travail yo et puis peut-être connait prière pour même qui pas arriver faire déplacement. N'a toujours visiter espace yo et à chaque fois n'a rencontrer un artisan pour. Amis téléspectateurs, nous toujours dans le port Canne à Sucre, dans Vive Artisanat en fait, 12e édition. Dans l'exposition, ça a grand pile nouveauté, grand pile jeune qui fait déplacement et grand pile belle bagaille qui mettait sous pied, que ce soit dans peinture, dans fer découpé, dans sac, dans paquet belle bagaille. Dans le monde, que artisanat en fait, c'est rassemblement, il y a un plus gros rassemblement artisan qui gagne dans le pays. Et édition ça, qui c'est 12e édition, son édition qui réunit plus passer 150 artisans et ceci n'a bien toute qualité zèv et au besoin et nous gain vêtements gain zèv pour décoration gain bijoux et c'est des travail qui fait avec des matières différentes en cours fait découper gain conne gain bois gain tissu donc n'importe qui goût ou ta ka gain et ben ou ka passer dans parc là et jodian là qui y a côté y a fini jusqu'à 6h ou ka passer. Vin garder belle bagaille, vin acheter belle bagaille ou t'as qu'à besoin pour servir. Tout à fait Stan, et n'a pas manqué que Anessa nous pas seulement rester dans la capitale là pour nous prendre artisans, n'aller dans plusieurs côtés, nous vin avec artisans yo, yo rassemblé là deuxième journée pour montrer ça yo gagné pour faire. National d'Haïti, bonsoir. Bonsoir, Télévision Nationale d'Haïti. Est-ce que c'est la première fois que vous participez dans l'artisanat en fait? Non, ça fait non, 3 ans depuis que vous participez dans la grande force qui est l'artisanat en fait. Nous avons une pile d'expositions qui est très agréable, des couleurs vraiment présentes, couleurs chaudes. Parlez-nous de la production là. Donc, c'est New Fashion qui a quelques années depuis qu'il existait. Côté que nous faisons vêtements, nous faisons sac à main, nous faisons bosses, nous faisons bijoux, nous faisons sandales, nous faisons accessoires pour cheveux. Donc, nous avons habillé un monde, nous avons habillé de cheveux jusqu'à orteils. Waouh, ça, c'est une belle philosophie. Nous félicitons pour ça. Comment est le public là à Nessa? Bon, je trouve que c'est un public qui est assez intéressant. Moi, c'est un public qui est assez intéressant. Donc, Tell us, fam. Donc, c'est un public qui est très intéressant comme d'habitude.
et yo toujours vinn supporter nous fan yo et nous souvent gen nouveaux clients tout qui viennent supporter nous parce que elle est tellement original donc yo prend plaisir là-dedans et puis je te dis des couleurs chaudes donc yo prend plaisir là-dedans. Donc nous félicitons, mais est-ce que nous obligés de bousser toute bousse nous pour nous gagner une produit yo? Donc ça va dépendre de ça que tu as dans la bousse. De bousse à bousse, c'est qui sont dans la bousse. C'est bon seul bien dans la bousse, le cas toujours débousser. Même parce que le prix est très 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 abordable. Par exemple, pour sandales ou bien pour jeu sac à main ça, pour combien nous prenons? Bon, sac à main c'est à $80 US. Et pour quelques sandales nous faire? Sandales c'est pas cher du tout, sandales c'est à $25. Dis-nous, comment vous te mettez sous pied création ça? Donc grâce à sous pied c'est grâce après moi fin marié moi dit que moi deux jeunes bagaille pour me faire parce que moi dois faire un bagaille et puis moi avec Marie nous t'es qu'on habillé tête nous déjà pour aller l'église et qu'on a nous venir décider habiller tête nous c'est comme ça après ça nous dit bon si on habillé tête nous pour ça m'habiller l'autre monde c'est égoïste et puis c'est comme ça nous venir habiller l'autre monde et puis nous lancer collection. Nous félicitons parce que pas égoïste. Télévision nationale d'Haïti dit merci. Merci Télévision nationale d'Haïti. Et voilà, amis téléspectateurs, en pile couleur, en pile couleur qui rappelle nous que nous sommes tropical là. Là, nous avec des amis, des jeunes participants qui viennent dans la 12e édition artisanale en fait. Là, nous allons faire parler à Kyo pour qui j'ai eu activité à qui j'ai eu deuxième journée qui c'est dernière journée 12e édition artisanale en fait. Là, comment nous monsieur? Bon, nous très bien, en forme. Et pourquoi nous venons à artisanale en fait? Non, la première fois. Première fois? Non, pas la première fois. Qui gens nous connaît ambiance là par rapport à jeudi? Bon, nous allons toujours même bail là. L'activité toujours bien. En disant motivé, contact la passion, sinon nous allons bien marcher ici. Vous pensez qu'il y a une différence par rapport à l'autre année? Non, quoi. Pas vraiment une différence. Mais toujours même bail là. Au même moment, ça, il n'y a pas que si ça fait, il va bon, mais toujours une bonne ambiance. Mais toujours même ça. Jean nous est travaillé, est-ce que nous visiter l'époque là? Est-ce que nous travaillons? Est-ce que le travail nous a envie de procurer? Et tout le monde est belle, il y a bien travail. Sauf que c'est encouragé à acheter tout le monde. Tout le monde est bien passé. Tout le monde est belle. Belle bail net. Donc voilà, c'est comme ça dans l'artisanat en fait. Je te dis là, il y a une influence jeune. Et un pile jeune fait déplacement pour venir garder travail artisanat en fait. Ou peut-être venir acheter tout. Nous pas acheter, monsieur. Non, non, pas acheter. Nous suivons. Mais nous vite, monsieur. Nous suivons. Pile monde et Jean Dédilan et tout à l'heure elle a commencé à porter gagner en pile monde et nous penser que c'est parce que le long toujours le jeune toujours même avec ce monsieur j'espère que au fur et à mesure il y a plus monde qui a fait déplacement pour venir garder travail artisan et puis encourager sinon acheter travail yo. I can take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. 'Cause every time we leave, I'm a longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I, leaving out the rest. Oh. Avec nous, directeur général Office national des arts, monsieur Rony. Directeur Office national de l'artisanat. National de l'artisanat, pardonnez-moi, Onot. Donc, nous connaissons que Anissa encore, Onot pour initiative, fait des ateliers avec Timounio. Depuis hier, nous l'avons frappé jusqu'à présent. Comment ça y est? Bon, très satisfaisant. Ça, nous avons cherché à nous journées, c'est créer
engouement ça pour culture par nous, pour production par nous, la Katimounio. Donc, pas gain plus pour nous dire que Simounio est satisfait de pas gens qui ont réagi. Année ça nous avons décidé de mettre accent sur encourager Simounio à fabriquer des fanals. On pratique que nous connaissons qui quasiment disparaît dans le pays. Surtout à moi, des sables qui pourraient arriver là. Est-ce que Timounio réellement a un engouement pour l'initiative ça? Est-ce que jusqu'à présent c'est satisfaisant ou, par rapport à ça? Bon, oui. Sinon que espace là qui était trop petit pour me recevoir quand c'était Timoun qui a manifesté intérêt pour faire fanal. Et non seulement nous faire fanal là, nous expliquer l'histoire fanal, qui gens monde qu'on utilise et qui gens eux-mêmes sont capables de faire. Pour utiliser la caillou dans la période décembre dans le quartier Payo et en quelque sorte permettre de retourner sous ces dans la culture, dans le patrimoine pays. Est-ce que on a mis à disposition tout le monde ça, et instituteurs qui peuvent travailler pendant deux jours ça, est-ce que c'est des artisans qui inscrivent dans Onot que nous mettons pour faire ça? Et c'est qui nous fait ça? Bon, oui, c'est artisans par nous qui là qui ont certaines expériences. Qui c'est des artisans maîtres que nous utilisons et en même temps tout, m'a profité de dire que le ministre là, ben l'ordre pour que ça n'y pas seulement une fête dans le cadre d'artisanat en fête ou bien dans le cadre d'une fois et que nous avons créé un atelier permanent pour Timounio dans Onat et éventuellement s'il y a des écoles qui manifestent intérêt, artisans Onat, nous avons mis à disposition pour nous permettre que culture reprendre place li en dans l'école, en dans la vie Timounio pour que nous avons une véritable déperdition au niveau d'acculturation qui est trop élevé demain dans le pays. Mais en même temps, tout, pendant que nous avons montré tout, c'est un lieu d'investissement et que demain, nous sommes capables de tourner des artisans et qu'avec ça, nous sommes capables de vivre. Donc, nous avons développé la CAIO tout dans le programme SAIO, esprit d'entreprise aussi. Gen remarque même nous fait chaque année dans cadre atelier que nous toujours faire c'est toujours poterie avec tout année ça que nous ajouter et fabriquer fanal pour que ça pas jamais gagner des ateliers pour apprendre nous faire peinture notamment nous pas rentrer ça tout peut-être à la base montrer faire dessin aquarelle c'est pas parce que nous pas d'un intérêt pour nous faire mais nous avons un domaine qui spécifique qui gagne champ de définition parle qui est l'artisanat nous fait artisanat avec Timounio. Ensuite, nous pas fait artisanat dur, ouais, nous fait ça ou artisanat mou qui pas mandé un gros dispositif pour production. Hein? Donc c'est ça qui fait que c'est ça ou nous belle. Et à l'aise encore, nous entrons une nouvelle discipline. Discipline ça nous entre encore. Son discipline mou, vous comprenez, son discipline mou, parce que ou pas qu'à venir faire l'artisanat dur là, dans condition que la fête là, il n'y a pas tellement de sécurité à même pour Timoun. Ok, d'accord. Merci beaucoup, DG. Si vous avez un dernier mot à ajouter, nous. Bon, et félicitations à artisans, yo. Félicitations à organisateurs, yo. Et encore, m'a félicité Mounio tout qui vient visiter, yo. Et m'a dit surtout, à nous prendre rendez-vous pour l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup. N'a continué faire roulement pour permettre pour nous capables recueillir. Mots de circonstances, personnalités qui sont présents et qui capable de permettre tout garder. J'en sais rien, artisanat en fait. Là, nous avons ensemble avec nous, ministre culture et communication, Jean-Michel Lapin. Bonjour, ministre. Et juste à présent, comment vous voyez le déroulement? Juste à présent, comment vous voyez le déroulement? Deuxième jour, 12e édition artisanat en fait, ça. Donc, bonsoir. On va permettre de saluer tout le monde qui est branché TNH, je dis. Comme je dis, dans une station sœur, chaque année qui passe, avec l'artisanat, en fait, l'État vient gagner une responsabilité dans l'organisation. L'État l'a donné plus que 10 ans. Bien avant grand partenariat, ça veut dire non format réduit qu'elle a fait avec une association qui a eu l'IPA. Donc, je dis à Livin Salier là, on a posé peut-être nos questions. Pour qui ça? Ça qu'a fait là, je dis à, il n'est pas capable de permanent. L'homme dit pas, ce n'est pas activité en lui-même en termes de festival, en termes de foire. Mais il y a une structure
qui a permis tout artisan qui a gagné un espace côté que pour l'exposer à l'année. Ça va permettre que nous offrir avec tout haïtien et étranger un côté non seulement pour venir apprécier et un côté de capable acheter un œuvre artisanale. Justement, pendant qu'on a parlé de plus encouragement pour le domaine, ça, nous connaissons que la conférence de presse, deuxième conférence de presse artisanale en fait là, tu as gagné une estimation qui était de 2012 à 2015, secteur artisanat et pour exportation notamment, il a rapporté près de 9 millions de dollars au bail comme ça. Nous connaissons doléance artisanale notamment ces derniers temps, c'est surtout pour problème crédit que vous n'avez pas joué. Est-ce que doléance est arrivé dans le monsieur le ministre? Oui, c'est au magasin qui est. Je travaille longtemps sur lui, c'est d'abord c'est organiser le secteur. Les bois pas les crédits, ça a demandé les grands parties légales en question. Donc c'est parti légal ça, pour nous permettre d'aider les artisans à répondre à la condition crédit. Mais parallèlement tout, on a réfléchi dans le ministère de la Culture. Côté que nous avons un fonds qui est décarré pour encourager la création. Mais les mêmes tout font ça, tout, les mêmes tout l'a demandé, ils ont organisation dans ce secteur, l'a demandé des artisans qui beaucoup plus organisés. Donc, en résumé, on a parlé là des industries créatives. Nous, ouais, avec paquet de mots, c'est pas pour nous capables qui ça qui fait yeux ministre la plaisir, c'est qui article que nous avons acheté là. Donc, c'est un sac à main, un beau artiste. Un artiste de renom qui fait non déjà un affaire artisanat, c'est Miguel Lecomte. On sac Muriel Lecomte. On est notamment qui était absent longtemps, pendant longtemps sur le marché. Hein? Donc là, est-ce que Muriel, c'est un artisan que vous connaissez depuis longtemps et que vous choisissez de supporter? Moi, je connais Muriel depuis longtemps, non seulement comme mes amis, à l'époque, il était dans l'université, maintenant, l'université à tout. Et moi, je connais longtemps comme artisan. Donc, coïncidence, je suis entré là et pour premier côté. Moi tombé, c'est sous Muriel Lecomte qui me content en pile et me salue présence li, parce que nous connaissons qui situation aujourd'hui, qui situation santé, mais elle toujours fait effort pour chaque année pour là. Donc, faut que l'État apprécie ça, faut que le public apprécie ça. Donc, c'est au monde qui a bataille. En résumé, ville, c'est ça l'affaire. D'accord, merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous souhaitons que vous continuiez à promener et garder tout ça, parce que vous avez pour jouer là, et que vous continuiez à garder ce que les artisans eux-mêmes ont proposé pour la 12e édition. Ça. Oui, nous continuons à marcher sur ce site-là, nous continuons à apprécier, et puis tout ça peut-être capable de nous orientation que nous allons bailler au bénéfice des secteurs. Ça. Merci. Merci beaucoup. Donc là, voilà, monsieur le ministre qui saute parler ensemble avec nous, qui fait connaître qu'il y a travail sous possibilité pour capable gagner des fonds pour et artisans eux-mêmes, ils sont capables de rapporter beaucoup plus dans ça que eux-mêmes ils ont à faire. Et que pour secteur artisanal, capable de venir un secteur qui est rentable, parce que c'est quand même un grand pilier dans l'économie haïtienne que le capable. Si toutefois, ils ont utilisé le genre de utiliser l'un et le ministre lui-même lui promettre que c'est une possibilité qu'il y a travail sous lui. N'a pas quitté continuer à regarder qui j'en sais et affluence là qui notamment augmenté là jusqu'à jusqu'à présent parce que c'est quand même dernier jour et que moun yo même yo a bat pour yo get vini vin prendre ça qui vient pour prendre là pour dernier jour ça et c'est festival là à la pra possible jusqu'à 6h p.m. gain art décoratif gain ça même là pour manger tout gagner faire découper gagner bijoux gagner rad gagner tout ça vraiment qui esthétique tout ça qui représentait l'art haïtien gagner toute la époque historique là et moun yo même yo fait déplacement pour venir chercher ça yo gen besoin n'a quitte continuer garder et puis après n'a tourner. I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been.
sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Lonely together at its best. Oh, let me know now. Let me know now, now, now. Give me a sign. Let me know now, now, now. Let me know now. Let me know now. Sous télévision nationale et que n'a toujours passé dans tout parc là pour nous faire travail artisan et fait qui j'en ambiance là et dans parc là. Mais nous va seulement parler avec artisan, on a rencontré organisateur et tout pour nous gagner idée de qui j'en déroulement et avec nous et Kounia, c'est Franz Vival. Bonsoir, c'est avec un peu plaisir et télévision nationale recevoir. Bonsoir TNH, c'est un plaisir avec nous, ça fait un plaisir pour tout que chaque année depuis 2007 TNH est toujours avec nous. Mais dis-nous, pendant deux jours ça haut, jeudi en là, qui j'en saille, qui j'en ambiance là. Bon, ambiance tant bon, d'accord dit ça, fait chaud, mais gen moun, te gen moun hier, jeudi encore dimanche gen moun pour dernier journée artisan en fête là. Maintenant, est-ce que artisan vend à satisfaction par eux? C'est artisan qui va répondre parce que chaque artisan responsable de stand, de vente, c'est eux touché. Et mais pour nous-mêmes comme organisateurs, mise en place a été faite, logistique a été parée et nous recevons le public là avec artisan yo, nous avons dit comme ça doit. Anessa, nous tournons avec l'artisan de l'année et qui j'en sais dérouler, qui j'en sais faire. Pendant qu'on a parlé là, il y a un jury qui a 5 membres là-dedans qui a marché dans le parc là, qui a regardé, qui a évalué et qui a décerné le prix artisan de l'année sous base créativité, sous base originalité, sous base potentiel économique ça artisan fait et un prix spécial que a bail pour artisan qui fait récupération ou bien qui fait un travail qui protège l'environnement. Et comment ça dans quel niveau ça important pour monde consommer produits local? Bon, d'abord c'est des pays kembe emploi dans pays parce que ça artisan fait c'est lui qui fait, c'est ici qui fait valeur ajoutée, c'est en Haïti que lié et c'est ici qu'on va dépenser tout. C'est pas qu'a veut dire que pas gain toile qui acheter que l'autre bon non. Ça va vouloir dire que pas un bois acheté sur l'autre bord, pas un peinture acheté sur l'autre bord. Mais ça nous est en plus là. Ça artisan réussit maintenant mon toile là. Pour faire le tourner en rad, pour faire le tourner en tableau, pour faire le tourner en sac à main. Ça, c'est valeur ajoutée par artisan et c'est artisan qui a besoin de partir ça dans le cobla. Gain l'autre artisan, même c'est débat 100% local que vous travaillez. On prend artisan qui travaille wash. La longue rivière, qui prend wash tal, travaille wash tal, qui transforme wash tal, fait le tourner en œuf. Comme ça, tout ça en Haïti le rété. C'est ça qui fait que chaque fois que j'achète une œuvre artisanale, non seulement supporter ça n'est qui c'est création, parce que artisan sont pas qui dans tête qui le fait, mais ou faire économie pays à marcher tout plus bien. Artisanat en fait c'est quand même plus gros rassemblement artisan qui gagne en Haïti et nous même recevoir et monde qui saute dans ville provinciale qui pour qui ça c'est important pour nous gagner artisan qui saute dans ville provinciale. Parce que artisanat pas qu'on côté que le donner, il donner n'importe qui côté l'île d'île. Gantisan c'est Jacques Mel, Gantisan c'est Croix des Bouquets, Gantisan c'est Cité Soleil, c'est Bel Air, c'est Campéré. Zonio bay artisan que n'a qu'à dire que Zonio décide bay pour une raison X, ou bien son ONG qui est dans la zone à un certain moment, ou bien son organisation internationale, ou bien c'est ressources qui travaillent là, c'est là, ils ont commencé à travailler pour la première fois, et au Kembel comme on coutume de 1946-47 que nous commençons à faire produire artisanal à la Jodia. Il y a deux régions dans le pays, nous sommes troisième, quatrième génération qui a fait même bagaille. Le rap avancé, on a fini à 6 heures. Et il y a des gens qui ont gardé nous. Est-ce que vous pensez et qui intérêt au monde a gagné pour continuer à venir? Parce que jeudi à dimanche, c'est le dernier jour où on a fait une petite négociation avec l'artisan. Bon, je ne vais pas dire ça pour me craser l'artisan, non, mais c'est qu'on s'allie son marché artisan en fait. Et qu'on le crivo qui a fait plus bien. Vini, grand pile, bébé, capitaine, nous n'avons pas qu'il soit de la canne à sucre. Merci en pile. Merci TNH. We've been here too long. I can't.
Bonsoir, bonsoir. Effectivement, son belle fête. Et puis, je salue tous les spectateurs et les spectateurs de TNH. Son belle occasion, son belle fête familiale. Dans le sens, c'est la famille haïtienne qui réunit autour d'un bel produit qui a été gagné, qui c'est l'artisanat. Je pense que son excellente initiative. Son plaisir toujours là, me supporter. C'est très bien. Mais est-ce qu'on peut avoir un coup de cœur? Est-ce qu'on vient en famille ou même? Effectivement, je suis en famille, et avec soeur, avec neveu, avec toute famille qui est là en particulier. Et son belle fête dans le sens que c'est en pile génération qui réunit, en pile talent, chaque année qui est exposé là. Et je pense que son bel message, parce que ça qui est important, c'est vrai que moi-même toujours encourager sacré les start-up, nouveau monde qui entreprendre un nouveau business, même parce que en réalité, le gens qui déjà prend risque investi, le gens qui déjà montré route là, il y a plus de soutien toujours que c'est l'idée seulement que vous avez. Donc, je pense que c'est son bel événement et ça m'a encouragé. Tout à fait. Mais est-ce qu'on va participation pas ou acheter quelques bagages soit pour famille ou bien? Ça peine ma rentrer là, TNH, tout qu'un bim. Donc, on va faire tout ce qui est là. Donc, c'est très clair que m'a encouragé ma famille. Télévision nationale d'Haïti, dit merci. Merci. Et surtout, artisanat en fait, ou en fait tout, pas vrai? J'aime tout là. Et puis d'ailleurs, c'est tout. Pour un artisan, ça veut dire que ce sont des gens qui ont talent, ce sont des gens qui ont encadrement, ce sont des gens qui ont une formation. Tout. Donc, je ne vais pas profiter pour me dire que là encore, le pays a besoin de plus d'engagement pour encadrer, former, éduquer la jeunesse là, parce que le talent est là déjà. Merci. Au plaisir. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes toujours en place, nous avons regardé comment le mouvement est. Il y a grand pile personnalité qui vient, qui a participé, soit pour visiter, ou en famille, Jean-Lissot, faire connaître. Nous sommes toujours dans le parc historique de la canne à sucre, nous avons regardé un bel événement. Nous avons été brochés, nous avons fait beaucoup là à pour. I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. 'Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I, leaving out the rest. Oh. Tout
bon bagay ki gen nan moun lan. Komi telespektateur nan praple ou kos tou Televizyon Nasyonal d'Haïti ou ap suiv. Atizana an fèt, avèk nou, madame Romy Marie Georgette, nou nan atelye li la ekspoze. Bonsoir madame. Bonsoir, koment alevou? Ça va très bien. Ça va bien. Aujourd'hui est dimanche, donc on compte beaucoup sur les clients là pour venir, pour nous remplir les poches. Ah bon, comment est la vente? Eh bien, hier, c'était pas vraiment fameux, mais pour aujourd'hui, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont là et puis on est très contents. Et puis, bon, on leur montre surtout des petites choses qui les intéressent, on va dire. Parlez-nous de vos produits. Bon, mes produits... Mais les produits, c'est surtout de l'artisanat que je fais. Je fais des sacs à main, toutes sortes de grandeurs pour les enfants, pour les adultes. Et je mets également des proverbes en créole pour pouvoir valoriser tous nos proverbes en créole. Bye, petit pachi, chaque jour pas dimanche, justement, comme aujourd'hui. À la boîte à coum? Non, à la boîte à coum, oui, mais ça, c'est mon nom de marque, on va dire. Alors, tous les gens, quand ils reviennent de chez eux, ils sont aussi bordés que moi. Voilà. Intéressant. Et vous faites ça depuis quand? Oh, depuis 12 ans. Plus de 12 ans. Et on est toujours artisanat, en fait. On participe toujours à chaque année. Comment est-ce que vous vivez l'expérience cette année? Bon, je pense que les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a vraiment là... c'est difficile pour eux. Donc, on comprend parce que nous aussi, c'est bien difficile pour nous aussi. Quoi. Donc, ils viennent, ils regardent, on sent qu'ils ont envie d'acheter, mais qu'ils n'ont pas vraiment les moyens qu'il faudrait. On comprend. Voilà. Eh bien, merci encore. On vous souhaite bon courage, hein? Ah oui, oui, on en a plein. On en a plein. Voilà, merci encore. Vous êtes bien jolie aussi. Merci beaucoup. Ok, à revoir, à la prochaine. Mes téléspectateurs, nous sommes sur l'intervention artisanale Romé Marie Georgette qui a exposé dans la 12e édition Artisanat en fête. Chaque jour c'est fait. Tous les jours, chaque jour c'est fait, tous les jours c'est fait. Et on est bien ici. Voilà. On a fini là, on a fini. Tortellus Family. I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. 'Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I, leaving out the rest. Oh. Right back to where we've been. Give me a sign.
don't tell me when to begin. Bijoux, des colliers qui fait avec et calebasse et cocoyer et bois qui gagne un série de design avec paille de banane. On va regarder là. Ok, c'est première fois bien depuis qu'il a même participé dans l'artisanat en fait en tant qu'exposant? Bon, depuis le début, depuis le premier fois jusqu'à aujourd'hui. Donc là, ça fait 12 fois que vous participez comme chaque année. Dis-nous, comparé à l'autre année, déjà comment c'est-il la votre année ça? Et comme année ça là, nous sommes le 2e juin et il est quasiment 2 heures. Donc, journée en lui-même, il est quasiment fini. Comment ça est pour année ça? Bon, nous avons dit pas trop mal. Ben, comme nous avons journée, nous avons pour nous et qui ça public là, reste public là pour nous capables et garder qui ça n'a bien amené nous pour nous toujours continuer à évolution du travail nous en tant qu'artisan. Comme nous connaissons un pile créativité, bien un pile diversité dans fabrication bijoux, il y a différentes matières que vous même vous travaillez bijoux. Est-ce que vous même particularité que vous proposez, est-ce que vous sentez un public qui vraiment est marché là-dedans, qui vraiment vient derrière ou même ça vous fait? Oui, pratiquement chaque année et vous toujours fait nous ressentir, vous toujours dit nous que et vous avez acheté de tel type de bijoux que yo vinn derrière li, yo vinn derrière même matière là. Ça fait nous grand plaisir parce que nous est que et même produit que nous produisons, yo toujours aimer, yo toujours voulait que nous même nous kembe même produit pour nous capable baio. D'accord, merci beaucoup. Nous souhaitons bonne continuation pour cette journée et nous souhaitons que la vote dans encore mieux parce que déjà ou gita dit nous que c'est pas plus mal. Donc et merci beaucoup Tien Astalio. Donc là, nous allons rejoindre Saïdna. Saïdna, c'est comment ça est jusqu'à présent bon côté port parce que nous avons sillonné le parc là. Nous chaque n'en pas nous et là, je suis capable de dire que pour fin après-midi, nous avons débarqué mais vraiment en masse. C'est vrai que c'était plus ou moins timidement que nous avons la matin. Mais là, pour fin deuxième jour, ça, nous avons débarqué et nous avons profité de dernier moment artisanal en fait là pour être capable d'acheter ça où il y a besoin. En effet, Michel-Ange, en effet, je dis à ces jeunes familles, nous avons débarqué en poule. Nous avons remarqué que l'ancien ministre était là, il a débarqué en famille. Continuez. En famille, et puis nous avons participé à l'artisanat en fait. Nous avons dit que nous avons en fait. Eh bien, nous prenons passant pour nous gagner avis sur la deuxième édition. Ça. Nous gagnons avec nous, monsieur. Bonsoir, Tien Astalio. C'est qui non? Bonjour, c'est Joseph Kalev. Ok, est-ce que vous habituez à venir dans l'artisanat en fait déjà ou est-ce que c'est la première fois? Bon, sur deux années, toujours venir dans yon. Ok, vous êtes attentionné parce que là, c'est qui ça qui plus attire l'attention? Je vais regarder qui ça haïtien va produire. Donc, là, je vais acheter. Bon, si vous voulez, je vais faire publicité gratis. Je vais prendre un petit liqueur là. Bon, petite tablette pistache comme des pour un pays moins. Donc, je suis toujours moins ça comme carré, mais toujours. Mais là, jusqu'à présent, nous, c'est gastronomie hein, que l'on soutenait. Est-ce que oui, là, vous avez un petit cadeau pour madame, un petit cadeau comme sac à main? Tablette pour Timounio, et je vais garder sac à main. Mais comme beaucoup fini, je vais garder toujours. Ok, merci beaucoup. Nous continuons. Nous espérons que vous jouez et ça qui fait bonheur. Là. Toujours, d'accord. Là, nous toujours, non. Pas de canasuc, je nous dis là. Et nous avons regardé qui j'ai deuxième jour artisanat en fait là lui-même lui a déroulé. Et là, Mounio qui a fait va et vient avec. Nous remarquons tout ça, Idna, ça a tout fait nous notifier. Au moins, puis fort Mounio, au moins avec sa chaîne. Donc, ça c'est sûr, Mounio a acheté à Nessa, pas de plein. Oui, ça c'est réellement important. Ça c'est réellement important et pour parce que toujours depuis qu'il y a influence de monde ça au gain tout et monde ça dans un seul espace
accident pas loin arrivé. Donc le fait que assurer que quoi ou Jacques la police là pour maintenir sécurité a et tout pour permettre que si toutefois tu as un accident pour gagner des secours qui sur place pour aider à arranger ça. Donc ça encore toujours gagner chaque année, donc c'est toujours nous toujours à féliciter, c'est nous toujours féliciter le tout. Donc là nous gagnons ensemble avec nous yon demoiselle. Bonsoir Télévision Nationale d'Haïti, salut. Bonsoir. C'est quoi Morelé? Morelé, c'est le Femaï Rosandré. Ok, est-ce que vous habituez à venir participer dans l'artisanat en fait ou bien est-ce que première fois? Non, ça fait deux fois, n'est pas assez moins de là déjà. Ok, nous on peut quoi acheter? Est-ce que c'est parce que vous jouez un bonheur pour là ou bien est-ce que c'est parce que vous continuez à regarder toujours? Moi continue à marcher, à regarder toujours. Ok, d'accord, merci beaucoup. D'accord, merci. Voilà. Donc, je veux dire que jeunesse est présente dans l'artisanat en fait. Jeunesse est très présente. Jeunesse est très présente dans l'artisanat en fait, que ce soit entre amis et en famille. Voilà, nous sommes ensemble avec nous. Yon passette Anne-Lorna François. Lorna, Télévision Nationale d'Haïti, salut. Oh. Bonsoir à tous téléspectateurs. Télévision Nationale d'Haïti, bonsoir Mika, bonsoir mademoiselle. Alors là, nous voyons que vous même vous promenez là, nous pas vraiment ouais ça chez nous justement. Est-ce que pas un bonheur pour la juste? Oui, moi j'ai acheté une chemise. C'est de ce côté, je me souviens plus du nom. Je crois. Bon, pas sous genou, mais une belle chemise avec toile africaine yo. Ok, téléspectateurs, pour nous bien dire, Anne-Lorna François, c'est un journaliste et ses collègues de la télévision. Donc, nous ne connaissons pas la première participation, Lorna. Alors, nous impression sur 12e édition, ça, artisanat. Ah, 12e édition. Eh bien, pour aujourd'hui, hein, c'est le premier jour, là, et puis dernier jour tout, parce que c'est le dernier jour activité. Ça, je suis capable de dire, nous avons fait commenter à l'ensemble avec le monde là, je dis que tout le monde qui est exposé est très propre. Parce que vous remarquez, c'est comme si c'est dans une boutique côté rentrée, où il y a un bel canapé, un bel miroir, tout le bagage net, net, net. Et puis, bon, comparativement avec l'année passée, moi, j'ai gagné un peu de monde. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore? Bah, il y a toujours autant cher. Ça seulement. Bah oui, ça sont avis consommateurs comme ça. Justement, même artisan, il y a plein ça tout, que vous obligez de mettre à prix ça. Bon. C'est en tant que consommateur, on parle là. De... Exactement, en tant que consommateur. Il y a toujours autant cher. Mais si vous voulez, vous avez toujours pas pris. Parce que moi, tout ça, je dis, je n'ai pas pris avant. Je vais acheter. D'accord, merci beaucoup, merci, Lorna. Merci, au revoir. Bye bye. Voilà, Saïdna, je vais regarder là. Lorna se confirme exactement ça, on se dit tout à l'heure. Il y a toujours plein pour même barail là. Barail, il y a trop cher. Mais c'est quand même, il y a obligé parce que mes œuvres là coûtent cher. Acheter matériel là, il coûte cher, donc et, il faut payer la qualité quand même. Même si parfois c'est peut-être trop cher pour poche ou bien pour niveau de vie de ces deux mondes. Mais je suis sûr que même si c'est la plus petite chose, chaque monde a besoin de bonheur ou a besoin de ça qui n'a capacité moyenne économique là. Non, je suis un téléspectateur, je suis inquiété parce que nous parlons de ça chez nous, juste ok, yo côté. D'accord, merci. Bon, voilà, nous allons continuer à regarder. Qui je sais, n'a pas de canne à sucre là. Hello. Don't tell us, fam. We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Every time we leave, I'm longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Lonely together at its best. Oh, let me know now. Let me know now, now, now. Give me a sign. Till I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close.
to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head.
j'aime te dire tout à l'heure, année ça, moi j'ai un air de déjà vu et me comprendre ça parce que artisan yo ont initiative tant pour artisan en fait, c'est pour bagarre qui fait chaque année. Donc yo souvent rete yon quantité en stock et au gain tendance chaque année pour y venir avec. Grand pile artisan qui fait effort, qui vient avec nouveauté, mais même comme si moi-même bah qui pour épater pour me dire waouh, ça vraiment intéressé comme si moins créativité à la donne. Sinon, bagaille a bien passé jusqu'à présent pendant 2 jours. Nous dans deuxième jour, grand pile monde vraiment un pile monde. J'en ça toujours fait chaque année et moi j'aime toujours prendre plaisir venir dans artisanat en fait. Merci Georgie et vous même Michel pour deuxième journée. Donc c'est première journée parce que me battre là hier et c'est toujours même impression yo et leur fin paraître dans pas canne à sucre et c'est la fièvre. Tu vois, et avec les invités, les artisans, donc c'est ça baille possibilité vraiment pour rencontrer monde qui derrière création yo. C'est vrai que des fois on cap aller dans un atelier ou bien on aller dans un store ou joindre produit yo, mais le fait qu'on cap mettre un visage derrière création hein, et c'est même genre avec un écrivain, donc ou lire écrivain hein, mais l'on cap voir les bonnes signatures et que on capable encourager pour le travail qu'il fait, c'est que il est très bon. Et moi fièvre là et déjà dans le bain et dans visite que m'a fait yo déjà acheté et dans produit yo et moi c'est que c'est toujours une très belle initiative artisanat en fait et me croit que qui vient tourner un patrimoine qu'on y a là et qui m'a dit que yo capable toujours continuer ensemble avec initiative ça. Donc on est là, on s'amuse, c'est pas seulement venir rencontrer artisan mais rencontre que ça favorise tout en pile monde, c'est dans espace ça ou joindre yo et qu'on pas jamais ouais encore. Et pendant l'année, c'est chaque année où il y a un artisanat en fait. Donc, c'est un espace tout pour rencontre, pour socialiser l'artisanat en fait. La vie me tourne. C'est plus qu'une vitrine qui permet que l'exposant eux-mêmes soient capables de mettre un vieux en valeur. Donc, nous là, et c'est très bien. Okay. Sinon, les gars, on a parlé de impression déjà vue et de fièvre qui gagne. C'était quelque chose qui pour changer, qui pour innover, qui pour toucher. C'était qui ça le tapis? Quête, vraiment. On vraiment pas capable corriger organisateur au sens ça comme si pour me dire faut yo changer ça sauf que et on pense genre de initiative comme ça doit faire au moins 2 fois dans l'année comme si on pas capable dire mais ça pour modifier mais ça pour changer sauf que l'état encourager même si c'est pas artisanat fait l'état relé on l'autre groupe monte capable décider parce que leur activité ça au fait moun kap travay yo gen chance soit rencontre avec public là yo vann yo pren contact yo pren rendez-vous comme si ba vinn pérenniser donc comme si m vraiment penser l'autre secteur ou bien on l'autre groupe moun te kap prend des initiatives comme ça pour au moins artisan yo ta gen un rendez-vous pendant 3 fois dans l'année pour ta kap joindre occasion bien opportunité pour vann plus. Voilà, ça c'est très bien. Non, parce que après 12 éditions, c'est sûr que responsable de jour en jour ou bien d'année en année, il arrive à améliorer une série de failles qui gagnent dans l'artisanat en fait. Je vais pas dire que après 12 ans que tout est parfait, c'est vrai que il y a des bagages qui pour corriger et parce que responsable a pris une note par rapport à ça ou t'es fixé tête comme objectif. Bah connait qui ça qui t'a gagné comme planification, qui ça attend yo t'ayé bon côté responsable, même penser que si m'ta gon suggestion c'est en faire dans stade Silvio Cator parce que l'espace est vraiment inapproprié définitivement et mon afra pas monde et chaleur et moi c'est que qui pas dépendre de responsable tout pas gagner assez d'espace qui ca recevoir vraiment genre d'activité ça eux. Sinon ça m'ta demandé c'est que nous jeune espace qui plus grand et que mon ca la été koyo et puis à l'aise pour circuler et c'est ça seulement. Télévision nationale d'Haïti dit merci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Nous toujours dans le parc historique de la canne à sucre, nous en fait, dans l'artisanat en fait, nous fêtons avec Mounio comme ça te fait notifier. L'année prochaine, nous avons une possibilité, si le parc est toujours trop petit, pour nous faire en l'autre côté. Retez-vous chez Télévision Nationale d'Haïti, nous faisons l'autre parcours pour vous.
I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time I leave I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close, to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, Artisanat en fait là qui est en deuxième jour c'est dernier jour. Pas oublier, artisanat en fait c'est quand même plus gros rassemblement artisan dans pays qui sorti tout côté, que ce soit dans capitale là maintenant, ville, province et tout. Anessa, c'est 187 artisans qui réunis pour exposer Zevio, pour même ou ka gade vin ki qualité belle bagaille kap fait dans pays mais tout pour ka acheter. Et là actuellement là nous avec Alain Augustin, coordonnateur technique dans théâtre national qui vin dans activité. Alain Augustin, comment nous m'a salué ou et puis m'a tout profité saluer toutes les téléspectateurs et kap gade nous koulia sou TNH. Jodi a nous dans 12e édition artisanat en fait. En fait, nous sommes capables de dire que l'initiative est extrêmement importante parce que le secteur artistique là, il mérite ça. Parce que moi-même, si je fais une rétrospective, parce que nous, un pays a manqué un pile d'initiatives comme ça. Là, nous avons gardé une initiative qui était prend de très longtemps, depuis 2009, les campés. L'initiative a été prise en 1995 avec un groupe qui était les JAMA. Qui de compte fait Shotmas, c'est tout artisan, tout le monde qui fait musique, théâtre, Shotmas, 28, 29, 31 décembre. By toute opportunité pour moun yo te capable exprimer. Mais nous dit c'est bien avec 12e édition artisanat en fait, côté nous penser pays a fait face avec une crise, mais c'est le moment où pour artisans nous, parce que yo même c'est de ça au vivre, c'est avec un vieux yo fait yo capable offrir pour capable vendre. Moi même penser faut qu'il y ait un pile l'autre initiative, un pile l'autre secteur qui dans secteur culturel la pote coller et puis pour mouvement ça capable prendre plus j'arrête. Normalement pas première fois on participer dans artisanat en fait. Est-ce que pour 12e édition ça il y a une différence par rapport avec l'autre édition? Bon, m'a regardé constat moi fait et année ça moi gain plus jeune qui viennent participer. M'pa konnen si c'est dans quatre promotions yo fait pour artisanat en fait là. Nous en pile jeune yo vini, yo vinn visiter et c'est important. Parce que c'est jeune, non, c'est lui qui vient pour le pays. Mais nous, nous gardons dans la culture et en pile monde, pas jamais importance. Et je dis à nous, importance capitale. Et ça fait mon pile plaisir parce que l'aime te camper devant et m'a gardé en pile monde qui a sorti avec un vieux dans le mer. Ça veut dire, je dis, dans l'artisanat, en fait, on est capable de venir. Ou acheter une œuvre et puis ou serrer en décembre, font mon cadeau parce que ou dit ça, c'est créateur haïtien. Parce que nous-mêmes, nous avons goûté, nous avons lutté pour gagner plus de création qui fait un pays. Hein, et le secteur ça, il peut aller plus loin. Moi-même, je pense que aujourd'hui, il y a un pile de nouveaux jeunes artisans qui rentrent dans l'artisanat en fait. Je pense
l'année prochaine, il faut qu'il y ait plus de monde qui vienne toujours et pour nous capables d'encourager le secteur ça et pour économique, nous capables de marcher plus pour nous-mêmes dans le secteur ça. Alain, dis-nous, dans quel niveau vous pensez que c'est important pour nous consommer la production locale? Bon, lui, c'est un bagage en condition sine qua non pour nous capables de servir avec les produits locaux. Parce que le premier bagage qui est extrêmement important, là où travaille, yon artisan travaille. Parce que je dis, nous avons tout fait recommandation ça. Longtemps, là, l'école ouvre, cordonnier, tu qu'on fait plus le corps parce que un cordonnier sont artisans liés. Il pas obligé sortir avec un bagage qui a fait à l'extérieur. Ça veut dire, monde qui n'a pays, il génère un petit corps. Mais qui t'a eu à vous dire, qui n'a mode là, je dis, c'est une possibilité de gagner, lui montrer qui est capable de faire, qui est capable d'offrir, faut que nous-mêmes, nous sommes capables d'encourager, pour nous capables d'aller. Laisse ça, nous pouvons gagner une équation économique et paysan qui pourra capable multiplier. Et puis, laisse ça, nous dit, bon, nous pouvons reconnaître le secteur culturel là, son secteur d'affaires qui est lié, artisanat haïtien, nous capables travailler pour capable finir net pour capable venir sur marché international là parce que c'est artisanat pas nous li pa gagne frontière la donne c'est un petit bagage simplement nous manquer pour conquérir tout l'autre artisan qui gagne dans monde là pour capable faire et ça li pa manquer en pile c'est Jean Oué 12e édition artisanat en fait a fait là en pile artisan a venu et puis y a tiré les sons de ça qui fait année ça et puis année prochaine vous parle mieux préparé pour être capable de venir dans gros événement ça. Voilà, amis téléspectateurs, c'est propos Alain Augustin qui est coordonnateur technique dans le théâtre national. Nous toujours dans le parc Canasuc pour 12e édition artisanat en fait. Nous là, nous avons toujours contacté l'autre ami qui est dans l'espace là, l'autre ami artiste, l'autre gros personnalité qui fait déplacement pour venir assister 12e édition artisanat en fait. Et là, nous avons un gros poteau et garçon, un gros jeune garçon, compé philo, et avec nous, avec prophète Joseph, nous allons parler avec eux sous qui impression vous avez sous 12e édition artisanat en fait là. Bonsoir compé philo. Ah ben nous dit tout le monde bonsoir. Nous dit tout téléspectateur télévision nationale. Bonsoir. Prophète Joseph. Bonsoir. Nous saluons tous les téléspectateurs télévision nationale qui écoutent nous. Et c'est un plaisir pour nous, avec compère Philo, pour nous tendre qui pour nous visiter puis tant des questions pour le poser nous par rapport à belle bagaille nous là. Ah ben oui, artisanat en fait c'est quand même dans la 12e édition. Et là, je dis à ces deuxième joueur qui c'est dernier joueur et nous fait déplacement, bah nous impressionnons de qui j'en nous est activité à Anessa. Moi, c'est une très belle activité. En pile monde. En pile monde n'a rien droit, c'est pas ça artisan yo tapten seulement. En pile monde là, c'est des petits monde, moi gagne des jeunes, son investissement à long terme. Vous comprenez? Mais artisanat, l'aptan l'a dans même mètre, mais en même temps tout, l'aptan que mon bagage qui sorti dans même mètre artisanat pour tomber dans même pal. Par contre, tu vois, ou bien elle a fini là, il y a sous passé dans la caisse là, il faut demander combien de cob qu'il a, que nèg la pral la kali. Ouais, donc, son très bon bagage, les gens pile le monde, et son bagage pour encourager, et artisanat. Et puis, faut-il bien que tout le monde intéressé là-dedans, parce que c'est créer ou créer job, c'est créer ou créer travail. Et le monde qui a créé travail, il n'y a pas la main de l'État. C'est avec intelligence, il a fait des bagailles. Faut-il bien que l'État encourage. Prophète Joseph, impression pas. Bon, impression pas. Moi, c'est une belle sortie familiale. Et intergénérationnel, parce que ouais, gen jeune, gen grand monde, gen fille, gen garçon, et tout le monde sa yo, yo vin là, pour yo vin ouais, qui sa, artisan yo créé, et artisan yo, m'kwe, tout yo très content, accueillir toute foule sa yo, moun kap monte descendre, kap gade qui bel bagay que artisan yo réalisé. Nous pas konnouè ça souvent, donc, les nous ouais ça, ça fait nous très content que,
gen bagay kap mache nan peyi a. Ça veut dire que gen de belles sorties familiales qui ka fait et son plus tout pour tout moun kap créé yo pour encourager yo que yo ka gagner vie yo nan création que y a fait qui permettent que nous en novembre. Donc bientôt pour gen fête. Et son monde vient là, lâche ton petit cadeau, lâche ton petit bail et qu'elle remet, qu'elle a dit, ah, m'a fait un cadeau, yon bagay qui fait dans le pays, que artisan réalisé, non seulement gon aspect économique la donne, mais tout gon aspect social dans sa affaire, dans artisanat en fait. Donc, alors, économique, ça veut dire que, comme Kobe Philo dit, l'on moun ka créé un bagay pour bail tête ou manger, pour ka baite tout yon moyen économique ou pas nuit l'état pas même compte sous là au contraire qu'a fait vivre l'état même parce que faut petit taxe faut petit impôt à travers ça. Donc c'est à la fois yon bagay intéressant sous plan social mais c'est yon activité économique tout et son activité de fierté tout de fierté nationale. Ça veut dire que moi me trouve en pile étranger qui vient là. Tout des ambassades qui mènent monde, qui mènent l'autre étranger, qui mènent touristes. Les ovini, yo ouais que nous ka réaliser des choses extraordinaires parce que moi en pile belle bagaille que moi-même pas pensé que nous t'ai ka réaliser. Donc tout ça, ça fait en sorte que les nous organiser genre d'activité ça yo, nous mettez pays à sous pied d'estal et tout nous mettez génie créateur artisan yo tout et sous pied d'estal yo. Donc alors moi on t'a aimé que il y a plusieurs autres activités comme artisanat en fait qui organisent peut-être deux ou trois fois dans l'année. Copain Philo long monde ou avec long monde tande ou toujours ouais son monde qui représente Kiltia et son natif natal. Dis-nous dans quel niveau vous pensez lié important pour monde consommer production locale. Bon, c'est ça me dit que problème nous là je veux dire, c'est problème nous pas un travail. Monde qui a créé travail là, faut encourager. Pour encourager, il faut que ça a fait, il faut en même temps tout, les gens qui ont aussi pour le vin acheter. Et pas seulement vin garder. Comme M. dit, il n'est pas en main de l'État. Les gens n'ont pas en main de l'État. Au contraire, ils sont entrepreneurs. Donc faut-il bien que les gens encouragement ça. Et c'est nous pour faire. C'est moi pour mettre la chemise là, malheureusement, je suis sorti. Je vais nous chemise. Mettez-le. Mais j'en habitue, ouais, ces chemises. Un paquet d'artistes fait, yo bon mette. Vous comprenez? Les artistes qui fait yo, qui bon mette yo. Je suis fier que je mette bah, la carrière, l'aime parti, je parti avec produit la carrière, même chapeau ça, l'aime parti avec lui. Moi, je passé Martinique. Et puis, on est qui dit, malheureusement, ou bien deux chapeaux de tête, mais je dis, get, à pas chapeau cousin en février. Je me dis, monsieur, je ne suis pas capable. Si je me tourne de haut, je me Paris, je me tourne de haut, je me quand même. Je dis, c'est bien malheureux. Vous comprenez? Je me en Allemagne, je me regarde. Je me dis, à coup de cousin, Adnan Adeli avec Patrick Villers, et maintenant nous, ils font exposition dans Düsseldorf. Et puis, il y a une dame qui dit, est-ce que Diakout ça, il poté en Haïti, il mette. Je me dis, oui. Et puis, je mettais même 5 ou 7 mouchoirs là-dedans, bien rangés. Et puis, dame, non, c'est ton allemand, il est content de marcher avec Diakout cousin, que nous-mêmes, nous presque pas utilisé, que Dominicain va pas acheter, pour vendre touristes là-bas. Or, nous, ça va passer là. Donc, c'est pour ça, des fois, tout autant que des gens qui mettent chapeau ça, qui mettent, on sait que les bagages haïtiens font. Ça pas haïtien, c'est ça pas haïtien. Vous comprenez? Vous avez dit ça pas ça, c'est un africain qui fait. Mais les gars haïtiens la donnent. Vous comprenez la question? C'est encourager pour nous encourager ça qu'a fait la caille nous. L'IC a coûté un petit cher, mais c'est encourager. Voilà, mes amis téléspectateurs, c'est comme ça, copain Philo, invitez-nous, encouragez Mounio, venez déjà, venez dans l'espace là, garde qui travaille à faire, mais tout, avec Ticras moyen, nous t'a gagné, acheter quelques produits pour nous encourager Mounio.
C'est 12e édition artisanat en fait. Je dis à ce deuxième jour et ce dernier jour, nous là, sous place, pour discuter avec non seulement artisans qui là, qui travaillent, mais tout, et personnalité, artistes qui ont passé, et puis responsable activité. Nous là, nous mettons vive en qui j'ai ambiance là, et nous tournons pour nous avoir plus d'informations. Merci en plus. Can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm a longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, until I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close, to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm a longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, fade in the rhythm.
makes me feel so good inside. Oh baby, don't ever talk about the things that are everlasting. Oh baby, we won't ever last. Hope that we're in that movie when you teach me how to dance, and I'm just a young and foolish, begs for a second chance. I'm doing clumsy pirouettes in your bedroom light, praying you will ask me to come stay the night. Baby, we're so cute to pretend. We both know we don't make no sense. When you go, I can't make you stay, so we live for the night and we fade in the rhythm. So cute to pretend. We both know we don't make no sense. And when you go, I can't make you stay, so we fade in the rhythm. Give me a sign.
to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Lonely together at its best. Oh, let me know now. Let me know now. And right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Let me know now.
breathe, I can take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Lonely together at its best. Oh, let me know now. Let me know now, now, now. Give me a sign. Let me know now, now, now. Let me know now. Let me know now, now, now. Until I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close, to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, baby, we won't ever last. Hoping we-
breathe, I can take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Until I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close, to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, we'll be right back.
take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Till I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close, to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, baby, we won't ever last. Hope that we're
God, I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Till I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close, to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, I'm not afraid to die.
God, I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Lonely together at its best. Oh, let me know now. Let me know now. Non, activité si là. Bonsoir, madame. Bonsoir. Télévision nationale d'Haïti te salue. Je suis ravie d'être venue. C'est la deuxième ou troisième fois même que je viens dans ce salon. Il faut dire que je vis un tout petit peu en Haïti. Donc je cherche des objets tout simples qui sont fabriqués ici par les artisans du pays. Et aujourd'hui, vous avez trouvé votre joie? Aujourd'hui, j'ai trouvé ma joie parce que j'ai bon, même si je ne bois pas forcément moi-même du café, j'aime inviter les gens et j'ai trouvé un très beau service en tôle émaillée avec les sitas et les sutas et puis un grand plateau. Vous vous êtes fait plaisir? Je me suis fait plaisir, mais je retrouve aussi les émails de ma grand-mère, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de choses comme ça chez mes grands-parents. Et on retrouve ici la tradition voilà, de ces choses très simples. Voilà, vous disiez que ce n'est pas votre première fois. Non, ce n'est pas ma première fois. J'ai eu la chance de venir l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec un monsieur qui cherchait des cuis. Okay. Des cuis pour faire un beau banquet en France, faire connaître l'artisanat haïtien auquel j'ai participé. Voilà, il faut que je parle dans la caméra. Voilà. Et voilà, j'ai la chance d'être venue avec lui par ce biais-là. Nous sommes contents que vous ayez trouvé votre joie. Je connais ce lieu aussi autrement, c'est-à-dire qu'on a eu la chance de participer au festival de théâtre, au Salon du Livre, il y a 4-5 ans, avec une pièce que j'avais montée avec Staloff, justement, avec Sachenka, Nakassi, Miraxon, Saint-Val, voilà. Qu'est-ce que vous avez acheté? J'ai acheté ce joli sac. Ce joli sac qui est tout à fait simple, et j'aime ce qui est simple et solide, pour remplacer le mien qui était malheureusement vieux depuis 5, 6, 7 ans, mais qui était fait en récupération de sachets plastiques par des dames africaines qui avaient tissé, qui avaient adapté un métier à tisser avec les sachets plastiques qu'on trouve ici et dont on ne peut pas se débarrasser, malheureusement. Télévision nationale d'Haïti vous remercie et on espère que ce n'est pas la dernière fois que vous serez à Artisanat, en fait. Ce n'est pas la dernière fois puisque je vis maintenant plus ou moins ici et que j'exerce mon métier de comédienne ici, voilà. Amis téléspectateurs, nous toujours dans notre histoire de la canne à sucre. N'a pas quelque va-et-vient, quelque personnalité dans le milieu nous, hein, avec nous, nous avons Maître Favette. Michel-Ange, nous avons Maître Favette. Oui, ça y est, Najan Dylan, nous avons ensemble avec nous là, Maître Favette, qui a participé dans la douzième édition Artisanat en fait. Alors, Maître Favette, comment nous est, et là, nous avons promené dans le parc là avec soulevez-vous. C'est qui sont vous-même, qui impression vous avez de la douzième édition? Bon, m'a dit nous bonsoir, et bonsoir à tout le monde qui connaît la 4 TNH. Et moi-même, nous connaissons spécialement, et c'est tout le monde. Qui n'a Haïti, c'est tout le monde qui n'a tout ça haïtien fait. Et depuis haïtien a fait un bagage m'oblige, venir participer pour garder, pour dire ok, nous parler. Et là nous garder variété qui là parce que un produit qui nous trouve là qui vraiment intéressé. C'est un monsieur qui fait une bière, comme si il prend une bière prestigieuse, il fait un petit enfer, tol coupé. Et puis vous mettez un élément là-dedans pour coller dans le frigidaire. Il fait pour Babankou, il fait tout ça. Moi-même, je trouvais que l'invention, ce type de bail, comme si la créativité, c'est bon pour la société, pour la culture haïtienne. Donc, j'en se dis, hein, on se découvre un bagage que vous ne connaissez pas là. Est-ce que pour même artisanat, en fait, là, c'est quand même un côté où capable de découvrir ça, ou même on ne connaît encore plus sur la culture haïtienne, parce que nous connaissons un défenseur de sa pays, lui-même, il a produit. Est-ce que vous allez dans le coin, et notamment gastronomie, est-ce que vous découvrez des bagages que vous-même vous ne connaissez pas? S'il est possible, vous mettez avec vous, il ne pas connaître dans la gastronomie haïtienne. Normalement, ce que j'ai découvert dernièrement, c'est Tchaka qui fait athlète. Ah, on ne parle pas de ça, non? Tchaka qui fait athlète, c'est l'Esther qui fait lui. Ça veut dire qu'on prend Maïa,
yo prend poids, yo mette normalement, et puis yo mette l'aide, et puis yo sucre li. Et l'aime te goûter ça, me saisi, me pas connait li. C'est un bagage en plus que me connaît, que moi même pensais que nous sommes peuple qui très fort, culturellement, nous croyons, nous sommes un peuple qui toujours pas jamais accepté d'être en bas. Nous toujours un bagage neuf que nous avons porté. Et là, nous faisons, nous disons, mais nous. Et là, on passe, on carré ça salon culturel ici. Parce que c'est là, dans l'artisan, en fait, où jouent tout artiste qui mettait en valeur peut-être tout petit bagaille que vous avez là, et puis là, on arrive là, où trouvez que nous ne varions sur vous. Ça m'a dit, artiste, pas monter. Pas j'aime camper, créer. Parce que nous très forts. Ok, un dernier bagaille. Par contre, si vous avez fait le tour du parc, est-ce que jusqu'à présent, il y a des bagailles qui attirent l'attention davantage? Si c'est, monsieur, pas pour mes fois venir, est-ce que vous avez manqué un bagaille qui est nouveau comparativement à l'autre année pour la 12e édition? Ça? Et moi-même, ça qui attire l'attention, c'est. Bière là. Bière. Avec Baban Poula qui a été malade pour coller. Et puis, il a fait une autre dimension. Ça veut dire, je pense que si je mettais ça, et artiste a fait ça bien. Ou ouais, c'est vraiment ces bières-là, c'est Baban Poula. Et ça fait plaisir. C'est ça qui est nouveau pour moi-même, Anissa. D'accord, merci beaucoup, M. Fever. C'est moi pour qui dis merci. Et 13e édition encore, nous croyons que la pas encore plus riche. Merci. D'accord, merci beaucoup. Jean-Noël, c'est comme ça, ça a toujours été dans le parc Canasucle, déjà près de presque 4 heures, si pas 4 heures, bon oui, presque 4 heures, beaucoup 4 heures. Et Mounio, il a fait carrière privée, Mounio a décidé pour venir chercher les derniers grains de produits par les derniers grains d'articles par dans le parc Canasucle, je dis. Et même sur la carrière toujours, ou qu'à braver blocus là pour arriver, pour venir chercher les grains d'articles pour là, parce que c'est quand même le dernier jour, et là, nous n'avons pratiquement pas donc dernière heure 12e édition artisanat en fait là donc c'est dépêché pour venir chercher ça qui capable de faire plaisir en site. Oui, ou gain raison et par contre sur moi que ça grand pile monde qui voit que innovation là recyclage là et c'est une critère que yo mandé pour participer dans concours année ça qui relancer concours artisan de l'année. Ça pour nous notifier tout, c'est que Microcrédit National qui là dans le parc là fait une sélection. C'est que ils ont choisi là 10 artisans, nous pas gagné dans tête nous qui bénéficiaient de un tirage que offert. Et bien artisans ça eux-mêmes ils ont gagné des prix comme ils offrir des matériels et artisans ça tout ils ont pral capable de bénéficier des crédits grâce à Microcrédit National. Donc tout ça c'est des gestes à encourager parce que nous connaissons artisans toujours plein parce que pas protéger secteur Wao alors que c'est eux qui c'est le summum de la créativité en Haïti. Alors tout ça nous supposons encourager. C'est pas seulement Microcrédit qui fait ça, pas beaucoup fait l'autre pas encore. Tout poisson que la bonne pour journée li pral bayo à artisan ça pour ka investi dans secteur ça. D'accord, j'en va regarder là n'a toujours continuer. Permettre de regarder qui j'en sais dérouler pour la journée dans le parc Canasuc, Mouniola qui a déambulé, qui a cherché produits qui pour faire plaisir, qui a regardé bijoux, bijoux à corne, un sac qui fait avec paille. Donc, pas manquer créativité, pas manquer diversité dans le parc qui pour faire nous plaisir. Une autre fois encore, artisanat en fait, là, c'est une façon pour montrer le monde entier que Haïti est le berceau de la créativité en termes de production artisanale, en termes de culture, en termes de gastronomie. Donc, pas manquer ça. We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. 'Cause every time we leave, I'm longing back, back
to the place where the lights go down. Just you and I, leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Lonely together at its best. Oh, let me know now. Let me know now, now, now. Give me a sign. Let me know. Till I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close, to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I, leaving out the rest. Oh, comment ça va? Ça va très bien. En forme, en forme? Comment vous voyez l'activité, je veux dire? Ah, ça, c'est la deuxième fois, deuxième jour, moi, je viens l'artisan en fait. De là, hier, j'ai acheté deux, trois petits bails, et puis je me dis, je vais retourner pour SMK. Je connais le deuxième jour, toujours, j'ai plus bon prix. Donc, je vais les vendre, je me dis, je vais faire un passé, et puis, moi, je dis, j'ai plus de monde passé hier, tout. Vous faites un bel choix astucieux, mais comment vous priez à Nessa pour prier pour la deuxième journée? Ah, pour prier, il n'est pas mal même. Je ne sais pas, je comprends pourquoi ça y est. Mais prier plus haut, le vin là, passer dans le magasin. Parce que je crois, ici, l'artisan en fait là, il a un bon marketing, il a une bonne promotion pour faire mon vin dans le magasin. Donc, so, il ne fait pas différent. Ok, mais qui attend ou t'as gagné? Qui attend ou gagné par rapport à Anessa, l'autre édition qui va venir l'année prochaine? Well, l'autre édition qui va venir, combien d'années elle a fait?
Oh, ok, ouais. Moi, espace là commence c'est trop petit. Parce que moun yo soif, yo remè, yo remè culture, yo remè artisanat en fait là, moi l'idée commence vinn pi gros parce que kounya là, moi le vinn l'idée konn devant stage là, kounya moi toute la cour net. C'est événement. OK? So, nous a souhaité et puis nous a souhaité yo retourner avec musique et folie tout. OK? Voilà, c'est un pile belle chemin. Est-ce qu'on arrive à trouver joie? Est-ce qu'on arrive à acheter quelques bagages dans de deuxième journée ça? Oui, c'est ça m'a fait là, je me fin parler avec eux, c'est là où tu viens prendre me te voir acheter un bagage, de un bel petit calbasse l'autre bois. Je m'a acheté un calbasse et puis m'a prendre photo, m'a chercher moi, m'a prendre photo quelques mannequins qui là parce que me te voulais moi mais en décoration yo, son moi ça ça un bon on bon you know location la conscience opportunity pour prendre photo avec Mounio avec l'artisan en fait. Télévision nationale d'Haïti dit merci et nous espérons que vous jeune joie ou ne soit pas l'acheter. D'accord, merci, bye bye. Zami téléspectateurs, en pile personnalité, en pile monde a défilé dans le parc historique de Canasuc qui revient dans dernier leur lit, tout le monde a participé, y a marché, y a essayé de garder pour ouais si y a privé jeune joyeux. En pile monde venir en famille jeudi dimanche qui venir, des monde qui venir appareiller entre amis qui habillé même gens soit pour vivre la journée ou bien pour acheter leur bagaille. Vous pouvez suivre tout ça sur la télévision nationale d'Haïti. Nous vous gardez avec nous. We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm a longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Lonely together at its best. Oh, let me know now. Let me know now. Till I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close. To be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm a longing back. Back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. A sign more than in your head. Lonely together at its best. Oh, let me know now. Let me know now, now, now. Give me a sign. Let me know now, now, now. Let me know now. Let me know now, now, now. Give me a sign. Let me know now. You under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Give me a sign.
moment artisanat en fête là. Avec nous, Madame Cantave, qui représente Foncosé. Dis-nous plus de l'association et sur combien éditions il y a. Bon, Foncosé, c'est un microcrédit lié, mais il y a un projet sur artisanat et qui est sponsorisé par Kellogg Foundation, qui plateau central et KR. Nous avons 360 artisans dans le projet. Et puis, nous avons travaillé avec eux depuis un an et demi et nous avons décidé de présenter eux pour que les gens connaissent et apprécient le travail que nous faisons. Parce que les gens là, ils ont vraiment mis en place pour que nous captions toute information, tout ça que nous avons pour eux. Et nous voulons montrer que nous apprécions ça tout de eux pour nous courir. Et grand pile jeunes qui déscolarisés, nous voulons avoir espoir que nous captions. Bon avenir à travers l'artisanat, il y a qu'à vivre de lui. Grand monde qui pour la retraite, nous voulons montrer que si on pas dans le jardin encore, il y a qu'à la caillou pour être capable de faire l'artisanat pour vivre de lui. Et puis femmes qui pour compter tout, OK, il y a capable de vivre de l'artisanat. Et puis nous voulons tout assurer pérennité technique que on apprend depuis longtemps, nous pas voulons mourir tout ça. Donc moi responsable programme formation yo, et monte une collection pour eux qui relève nature et culture. Donc après que c'est des bails naturels, des matières naturelles que m'utiliser pour faire récupération. Et puis moi mettons une touche culturelle avec paillettes, des bails comme ça, qui pour montrer que c'est haïtien que nous y est. C'est très bien ça, nous félicitons. Dans l'association ça, combien de jeunes, combien de grands mondes, combien de vieillards nous gagnons là-dedans? Combien? Ou quoi? Dans l'association, ça, combien de jeunes qui la donnent à courir avec vieillards, monde qui avance en âge? 360 artisans que nous gagnons en tout, et combiné femmes, garçons, jeunes, et tout le monde ensemble. Ok, nous félicitons pour l'initiative, pour le travail que vous avez fait dans la cause et dans la société haïtienne. Nous souhaitons aller loin. Et dis-nous, combien de temps ça prend pour faire un travail comme ça, gentil panier ça? On ne sait pas, mon livre est artisan 2 jours, parce que, mais bon, je n'ai même dit 3 jours, parce que là, l'acheter bon la tanière, il faut le mettre le sécher, nettoyer, il faut le faire sécher, il faut le tresser, et le faire tresser, il faut le coudre. Donc, c'est presque un jour pour chaque étape, ça y est. Et le fini, il faut le bailler un artisan, faire manche pour lui, à moins qu'il voulait faire manche là, la tanière, s'il voulait faire le mode, je nous fais là. Donc, c'est une autre étape encore. Donc, on dit, si on place en commun, c'est sous 5 jours que vous mettez le sac là. Et pour un bel sac bien fini. Nous félicitons et nous souhaitons aller plus loin dans l'association ça. Foncosé qui pas suspend fait bon bagaille. Télévision nationale d'Haïti, merci. Merci à nous-mêmes tout, que nous prenons plaisir à faire promotion artisanale. Merci. Voilà, pour la deuxième journée, ça, nous arrivons dans la dernière heure. Nous avons fait promotion artisanale que nous avons fait artisanale, amis téléspectateurs. Nous avons gardé des belles bagailles qu'a fait, le monde qui a fait va et vient dans la dernière heure. Nous avons gardé des belles bagailles qu'a fait, le monde qui a fait va et vient dans la dernière heure là, pour garder, pour prendre le dernier objet que vous venez acheter, soit pour vos amis, soit pour faire tête plaisir. I can take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. 'Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I, leaving out the rest. Oh. Give me
until I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close, to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Let me know now. Give me a sign.
to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm a longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, so that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Tabac. Pour deuxième jour, deuxième et dernier jour, artisanat en fait, là c'est quasiment dernière ligne droite là, nous journée presque fini. Et question affluence pour Mounio qui vini, qui vraiment fait déplacement pour vini, pour venir garder sa artisan ou à proposer pour deuxième édition, ça, et ça son point positif. Et puis déjà, jusqu'à présent, pas quelqu'un vraiment grave incident qui déploie, sinon que des petites pertes, peut-être téléphone ou bien machine qui barre l'autre machine, etc. Ce genre d'incident qui toujours répété, il y a plusieurs monde qui n'ont espace. Mais après ça, de graves accidents, nous pas vraiment relevé ça nous-mêmes de côté par nos stalls. Oui, 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 c'est une activité qui a passé bien tranquille, bien douce, bien soir. Sinon, avec beauté, travail, artisan, avec qualité, travail, artisan, nous avons en pile belles œuvres, que ce soit avec des cônes, avec des bois, avec tissu, avec fer, tout ça. Et c'est des bagages qui sont extraordinaires et c'est des possibilités pour découvrir qui qualité talent qui gagne dans le pays ça. Et c'est justement dans l'idée ça que organisateur fait gros rassemblement artisan ça. Tout à fait, nous avons que population a grand pile créativité et ça qui belle année ça c'est que année ça artisanat créatif, artisanat de l'année retourné côté pral dans moins d'une semaine pral couronné 5 artisans qui ont fait preuve de créativité, d'innovation et de potentiel produit commercial. Et dans 5 artisans, ça, vous pouvez choisir une là-dedans qui peut qui parle pour tes titres artisans de l'année, son artisan pendant toute reste année ou jusqu'à à l'autre et prochaine édition. Et organisateur pour l'accompagner, pour encadrer en façon pour elle vivre lui-même, arriver jeune une population plus rapide ou pourquoi pas et même dans un pays étranger. Ce qui est important et pendant nous parler de ça, c'est que nous remarquons que ni que ce soit organisateur ou bien que ce soit au niveau de sponsor, yo année ça yo senti et obligation ça réellement pour soutenir artisan parce que il est nécessaire vraiment pour gagner de véritables bases d'entreprise qui établit pour permettre secteur ça pour devenir plus formel et pour devenir plus rentable tout parce que c'est capable et artisanat lui-même il est capable une moyen capable aider économie lui-même lui relancer parce que j'aime te dire déjà peut-être et dans début de l'a fait direct là tu gagne un rapport direction et ministère dans le ministère commerce qui est sorti, côté qui a été établi que de 2012 à 2015, le secteur artisanal lui-même lui rapporté dans ça, lui exporté 9 millions de dollars par rapport à ça, lui exporté. Donc, c'est pour vous dire que peut-être, et pas économiste, c'est vrai, en rapport de chiffres sous, de 2012 à 2015, peut-être que ça n'a pas représenté rien dans la question budget, ça pays a capable de rentrer, mais c'est quand même un coup de pouce. Donc, si son secteur est renfloué davantage, il est soutenu encore plus, nous comprenons que ça est capable d'aider l'économie, lui-même, à avancer encore plus. Donc là, nous-mêmes, dans la télévision nationale d'Haïti, évidemment, et je n'ai pas fini là, dans le canne à sucre, si vous-même encore, si vous-même avez envie de venir, vous pouvez toujours venir, et il y a pas possible là jusqu'à 6 heures, mais nous-mêmes, nous avons fermé pour la deuxième journée, et deuxième édition artisanat, en fait, ça. Voilà, Michel-Ange, nous sommes contents, c'est vous, yo, pour te à constater tout ça qu'a fait en dans Parc canne à sucre là, pour deuxième édition, pour deuxième édition artisanat, en fait, là, qui est dans le deuxième jour et dernier jour. Nous sommes contents, c'est vous, Jean et Michel-Ange Doulan. Si toutefois ou pas loin ou envie passer ou pas passer avant 6 heures.